plein de questions. En attendant que vous nous disiez d'où est-ce que vous êtes, est-ce qu'on me dit je suis seul à pas avoir le son? J'espère qu'on a bien le son. S'il y a du son, très bien, super. Comme ça, on a le retour technique en Voilà. direct. On vous entend, super. D'où est-ce que vous venez? Quel âge vous avez? Ça va nous permettre de savoir qui vous êtes avec nous. Tout va bien, c'est revenu, c'est parfait. Très bien, super. On va faire un point de situation aujourd'hui sur l'Ukraine. Nous sommes au 20e jour de la guerre. Les forces russes progressent et élargissent leur offensive à tout le pays. Les Russes tentent toujours de prendre Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays, mais aussi Kiev. Des bombardements ont touché la capitale ce matin. Le maire de la ville disait vivre, je cite, un moment dangereux et difficile. Il a imposé un nouveau couvre-feu pour ce soir. La situation humanitaire est aussi dramatique dans plusieurs villes du pays. Les regards se portent notamment vers le port de Marioupol. Vous allez voir les images. Marioupol assiégé, bombardé depuis 2 semaines par les Russes. Des milliers d'habitants y vivent coupés du monde, se mettant à l'abri dans les sous-sols, dans les caves, privés d'eau, d'électricité ou encore de chauffage. Ce mardi est aussi marqué par la 4e session de négociations pour tenter de trouver une issue à la guerre. Ces négociations sont en cours. L'Union européenne a adopté hier de son côté une 4e salve de sanctions. Elle vise des entreprises et des oligarques russes et le nombre de réfugiés a désormais dépassé les 3 millions. Alors, je regarde si, d'où est-ce que vous venez. Alors, il y a des âges très différents, 33 ans, 53 ans, 58, 30 ans. Il y a des gens de Versailles, il y a des gens de Nantes, de Nîmes. Merci à tous de nous rejoindre et n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. Marise, tu reviens de 3 semaines de reportage en Ukraine. Je fais partie de la trentaine de journalistes, de JRI, de monteurs, de fixeurs qui ont été mobilisés ou qui sont toujours mobilisés en Ukraine. Je crois que d'ailleurs, on va voir tous ces reporters qui sont présents sur place. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a marqué, toi qui as couvert beaucoup de conflits? Qu'est-ce qui, à ton sens, fait la singularité de l'Ukraine avec des villes très différentes? Mais quand tu reviens, quel est le souvenir qui te marque? Je crois que ce qui nous a le plus impressionné, c'est la mobilisation des civils, la résistance qui s'est mise en place dès le lendemain, en fait. Il y a eu l'effet de sidération lors de l'invasion, étonnant d'ailleurs cet effet de sidération, puisque les Américains nous avaient annoncé une offensive de grande ampleur, mais il y avait quand même la sidération de la population qui n'y croyait pas. Et dès le lendemain, cet esprit de résistance qui est phénoménal et que moi, j'ai jamais vu ailleurs à ce point. Et concernant toute la population et tous âges et toute profession. On va voir justement un de tes reportages quand tu étais à Kharkiv, justement, pour dans ces artisanats, dans ces ateliers d'artisanat un peu improvisés de cocktails Molotov. Mais on va d'abord voir un premier reportage. C'était avant le conflit. Toi, tu étais déjà présente. C'est un reportage que tu as signé le 19 février. Un reportage où on te voit avec le ministre de l'Intérieur. Le but, c'est une visite avec les autorités pour montrer qu'elles ne craignent pas. Et ça ne va pas tout à fait se passer comme c'était prévu. On va voir un extrait de ton reportage et on en parle ensuite après ensemble. Nous suivons toujours le ministre. Première frappe, elles surprennent la délégation, dont les militaires. Deuxième tir d'obus, à moins de 50 mètres du ministre. Il est plaqué au sol et protégé par ses gardes du corps. Il est ensuite exfiltré alors que les obus tombent encore. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment où les autorités se rendent compte que ça ne va pas forcément se passer comme ils l'avaient prévu ou que ça va être difficile ce conflit? Je ne sais pas si eux se rendent compte, mais nous, on réalise qu'ils ont essayé de tuer le ministre de l'Intérieur, abattre le ministre d'une puissance, d'un pays souverain. Et moi, je me dis, ça va vraiment être une sale guerre si ça commence comme ça. Après, on a rencontré le ministre qui était complètement sidéré aussi quand même.
Je ne sais pas si eux ont réalisé à ce moment-là, mais on a compris, nous, que tout allait être permis, tout allait être possible. Ça s'est un peu vérifié après. C'était comme un coup de semonce, quoi. Je vous préviens, ça va très mal se passer pour vous. À ce moment-là, est-ce que tu as peur? Parce qu'on voit les images, mm-hmm. ça bouge, tu es avec Stéphane Guillemot. Est-ce qu'à ouais. ce moment-là, on craint pour sa vie ou on pense à autre chose tellement on est dans le... Je crois qu'on n'a pas le temps d'avoir peur parce qu'on pense à se coucher au bon moment. Parce que quand il y a un obus de mortier, il faut savoir se coucher au bon moment, se relever quand c'est fini, puis se recoucher. Moi, j'ai pensé à ça. Stéphane, qui est un grand pro, a tourné en même temps. Il court, vous voyez, et il tourne en même temps. Ça, c'est vraiment... il faut avoir beaucoup de sang-froid et être un grand professionnel pour faire ça, ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas à quoi j'ai pensé. On pense à... au travail qu'on est en train de faire, en fait. Je crois que c'est toujours un peu ça qui nous sauve, nous, les journalistes. C'est-à-dire que je me dis, mais c'est incroyable, ils sont en train de tirer sur le ministre et on est là, et on va devoir rapporter ça. Je crois que je me souviens pas de peur. De toute façon, c'est tellement court, ça va tellement vite qu'on n'a pas peur, on a une certaine tension, beaucoup de pression. Et l'envie de faire le métier, puisqu'on est dans un moment, on sent que c'est un moment très important. Ouais. Là, on a l'impression de faire partie de l'histoire, que l'histoire est en train de s'écrire. Oui. On a bien senti que c'était un moment... charnière. Un peu charnière, oui. Il y a beaucoup de messages d'encouragement, mmh. je pense à Zerti, merci aux journalistes d'affronter ce danger, d'être sur place. Mmh. C'est assez rare, en fait, en général, quand on poste des vidéos, il y a beaucoup de critiques à l'égard des journalistes. Là, dans le cadre de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'encouragement, de soutien, de merci. Est-ce que toi, tu l'observes et comment tu l'accueilles, comment tu le perçois, tout ça ? C'est vrai que ça fait du bien de sentir que les gens voient qu'on essaie de faire bien notre métier. On est quand même une profession très, très critiquée. Les gens ne sont pas toujours bienveillants à notre égard. Je trouve que là, c'est vrai, on ne me dit pas de choses désagréables. Et je le prends bien parce que moi, j'aime beaucoup ce métier. Je trouve qu'on fait un métier important. Là, c'est très important que nous soyons encore en Ukraine et que l'on rapporte les faits. Et c'est bien que les gens se rendent compte que de l'importance de ce métier et se rendre compte qu'on essaie de le faire le mieux possible et qu'on n'est pas tous pourris ou inféodés à je ne sais quel pouvoir. Il y a beaucoup de choses comme ça sur les journalistes qui sont extrêmement désagréables. Et donc là, c'est bien, ouais, je le prends bien. Ouais. Il y a beaucoup de questions parce qu'effectivement, cette situation, elle est inédite sur le sol européen depuis un certain nombre de décennies. Pensez-vous que... alors, c'est une question de Malco, et tu parlais tout à l'heure de la résistance des Ukrainiens. Pensez-vous que les Ukrainiens aient une chance de tenir longtemps face aux Russes? Alors, c'est une excellente question. Les Russes, s'ils le veulent, peuvent mettre un tapis de bombes sur toute l'Ukraine, raser toutes les grandes villes. Ils ont une puissance militaire bien supérieure à celle des Ukrainiens. Donc voilà, ça, ils peuvent le faire. Ils ont déjà commencé à le faire, hein, à Kharkiv, à Mariupol, très, très largement bombardé. Kiev, pas encore. Mais une fois qu'ils auront mis leur tapis de bombe, ils se heurteront quand même encore à la résistance de la population. Et ce ne sera pas fini. Et ce sera une guerre très, très longue. Ce sera une guérilla urbaine. Donc, les Russes peuvent anéantir ce pays, mais je ne suis pas sûre qu'ils gagneront la guerre. On t'avait eu au téléphone il y a 15 jours. Tu étais à Kharkiv et tu venais de signer un reportage justement dans ces ateliers de fabrication de cocktails Molotov. Non, je crois que c'était à Dnipro d'ailleurs. À Dnipro. Exactement. Tu disais être impressionné justement par la résistance des civils. On va voir justement un extrait de ton reportage. Ouais. Nous sommes ici dans un endroit stupéfiant. Ces dizaines de volontaires fabriquent ici tous les jours des centaines de cocktails Molotov artisanaux, 1500 cocktails Molotov artisanaux fabriqués par jour. Nous sommes ici dans une école et c'est la directrice de l'école qui organise tout cela. Et donc là, on a des civils, c'est-à-dire on a des femmes, on a des hommes, on a des personnes très jeunes. Une directrice d'école, elle s'est reconvertie comme ça. Comment tu l'as rencontrée et comment...
Quand tu as perçu tout. En fait, tout c'est ça. Notre fixeur. J'avais demandé notre. Le fixeur, vous savez, c'est cette personne locale qui parle la langue, qui nous aide à faire les traductions et à organiser nos reportages. Et je lui avais dit, mais où est-ce qu'on peut aller pour montrer cette population des civils? Et puis, il a fait quelques recherches. Et donc, il a trouvé cette école. C'est comme ça qu'on est arrivé dans cette école. Bon, moi, je pensais qu'on allait trouver un petit atelier. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de femmes fabriquer des centaines de cocktails Molotov artisanaux. Et c'est drôle parce que j'avais vu la veille sur un checkpoint plein de ces cocktails Molotov artisanaux. Et je me disais, mais où est-ce qu'ils ont le temps de fabriquer tout ça? Et j'ai vu la fabrique, quoi. Et le pire, c'est que ça, c'était un des endroits, mais il y avait 5 endroits différents comme ça. Donc c'est l'illustration de la mobilisation extrêmement efficace en plus. C'est pas un truc fait de briques et de brocs, qui sont bien organisés. C'est presque industriel, ouais, presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tu as traversé plusieurs villes, plusieurs régions. Quelle est la situation du pays aujourd'hui? Est-ce que c'est un pays qui est totalement en guerre? Est-ce qu'il y a des villes où c'est plus calme, si on peut parler de calme? Comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui le pays? Oui, il y a des villes à l'ouest où c'est beaucoup plus calme. Bon, Lviv, dont vous parliez tout à l'heure, commence a été bombardé la nuit dernière ou la nuit d'avant. Il y a des alarmes très souvent, mais il n'y a pas encore eu de bombardement massif. Oui, il y a plein de petits villages, de petites villes où il n'y a pas eu de bombardement massif. Mais il y en a aussi beaucoup, toutes les régions qui ont été prises là, au nord, à l'est, au sud, Mariupol. On a une carte d'ailleurs, on va peut-être la voir, ça va nous permettre de concrétiser, tu vas pouvoir... Toutes ces régions-là sont sous des bombardements intensifs, avec à Mariupol une situation, vous le disiez tout à l'heure, qui est humainement... Enfin, c'est tragique, tragique ce qui se passe à Mariupol, avec des gens qui sont dans des caves depuis des jours et des jours et des jours. Ça, on pense à Alep, à la Syrie. Ils reproduisent les Russes exactement ce qu'ils ont fait avant. La Syrie a été un laboratoire de ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. C'est la même chose. Et s'ils font la même chose, ils détruiront les villes de ce pays. Ils ne seront plus qu'un champ de ruines. Ouais. Il y a une question de Julien qui dit « Quel est l'intérêt finalement politique de Vladimir Poutine de mener cette guerre au vu des sanctions qui s'additionnent désormais de plus en plus ?» Alors, Vladimir Poutine est dans une démarche qu'on a du mal à comprendre. Il a dit que la fin du bloc soviétique en 1991, après la chute du mur de Berlin en 1989, pour lui, c'est une tragédie, c'est une catastrophe géopolitique. Il ne s'est pas remis de la fin de ce qu'était l'ex-URSS. C'est un pur produit, Poutine, de l'ex-URSS au temps de sa toute puissance. C'est un nostalgique de cela, et c'est au nom de cela qu'il veut, qu'il prend ces territoires, qu'il juge russophones et donc faisant partie de la Russie. Alors, il y a énormément de questions. Je pense notamment à Semeler. Mm-hmm. Alors, je vais lire. Est-ce que les négociations qui sont en cours, dont on parlait, entre la Russie et l'Ukraine, ont des chances d'aboutir, ou est-ce que c'est de la diplomatie? Il faut que ça passe par là, donc on fait la négociation, mais est-ce qu'on y croit vraiment ou pas? Et est-ce que un cessez-le-feu est possible, ou est-ce qu'on est parti pour plusieurs mois de guerre? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas. On a envie de croire que les négociations vont fonctionner, mais... Ça peut servir à quelque chose? Franchement, je ne sais pas, mais j'ai des doutes, parce que quand je vois... Il ne tient jamais sa parole, Vladimir Poutine. Alors, il peut changer, peut-être. Et puis, bon, les choses ne se passent pas comme il avait souhaité qu'elles se passent. Oui. Enfin, comme il pensait qu'elles allaient se passer. Parce qu'il pensait que ça serait éclair. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il a été très mal renseigné par ses services, qui, d'ailleurs, le paient très cher aujourd'hui, puisqu'il limogé plein de gens, etc. Ça ne se passe pas comme il le souhaitait, donc il peut peut-être changer... Mais enfin, il faut qu'il sorte de là la tête haute. Oui. Comment est-ce qu'on le fait sortir de là la tête haute? C'est toute la question, quoi. Est-ce que le point de non-retour n'est pas déjà atteint? Kiev nous demande par en puir et pour un couvre-feu, va déclencher son couvre-feu là, dans quelques heures pour 36 heures. Mm-hmm. Comment les journalistes peuvent travailler dans ces conditions-là? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de situation? Comment est-ce qu'on s'adapte finalement? Alors là, pour le coup, moi, je n'étais pas du tout à Kiev. C'est Dorothée Olyrique qui est à Dorothée, Kiev. Agnès Varamian et leurs caméramans et leurs monteurs. Alors un couvre-feu, c'est un couvre-feu, hein, on ne sort pas. Ouais. Donc, on ne peut pas tourner. D'accord, donc en fait, c'est blackout pour les images. Oui.
Parce que souvent, si on sort, on peut être considéré comme un ennemi. Vous êtes considéré comme un ennemi si vous sortez. Et ça, c'est très dangereux quand même. C'est déjà dangereux, donc c'est compliqué de sortir là. Alors peut-être que... Je ne suis même pas sûre qu'elle puisse sortir faire des directs dans la rue, par exemple. Je ne suis pas sûre. Il y a une autre question de Vandigo. Actuellement, la guerre en Syrie se poursuit. Ouais. Elle a débuté et dure déjà depuis 20 jours en Ukraine. Comment la Syrie peut mener plusieurs fronts? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... et tu parlais tout à l'heure même de similitudes entre ces deux guerres. Comment est-ce qu'il y a des similitudes? En fait, comment la Russie, finalement, est intervenue à plusieurs reprises dans plusieurs conflits, elle y arrive, la Russie, parce que Vladimir Poutine a un esprit un peu, je dis souvent, déviant tellement on ne comprend rien à ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. C'est ça qui lui fait mener ces différents fronts qui n'ont pas tellement de sens, en fait, à nos yeux. On va regarder un autre extrait de tes reportages que tu as signé au cours de ces 3 semaines en Ukraine. Là, tu te trouvais, c'était le 4 mars, à Zaporijjia. Donc là, on est encore un peu plus au sud de Dnipro. De nombreux habitants ont tenté de fuir après des tirs qui étaient sur un site d'un important complexe nucléaire. Et on te voit à la gare avec un certain nombre de populations. Impressionnant de voir le nombre de personnes rassemblées ici qui tentent de partir. Tous ces gens nous disent que jusqu'à présent, ils voulaient rester, mais qu'après ce qui s'est passé cette nuit et ce matin à la centrale nucléaire, ils souhaitent désormais partir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, ce matin-là, nous, on a été assez... La veille, on s'est dit on va aller à Zaporijjia parce que les Russes encerclaient la centrale. Et il y avait des habitants qui essayaient d'empêcher les Russes de prendre la centrale. Donc, on a eu un bon instinct, on s'est dit bon, on va y aller. Et dans la nuit, ils ont bombardé, etc. Et il y a eu toute cette peur autour de qu'ont-ils bombardé, est-ce que le réacteur est touché, etc. Et on a assisté à la grande panique des habitants qui se disent... Ah non, mais en fait, il est capable de bombarder une centrale nucléaire. Donc là, il n'y a pas d'autre choix que de partir. Et c'était touchant de voir tous ces gens qui avaient tenu jusqu'à ce moment-là, qui se disaient non, mais on ne part pas, on va y arriver. Et qui là, avec cette histoire de centrale nucléaire, renoncent. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de mots de Vladimir Poutine, de menaces avec le nucléaire. Là, pour le coup, il y a un risque qui semble très, très proche. Ces personnes-là, elles se sont dit, ça peut exploser. Oui. Non, mais moi-même, je lis les premières choses où je vois qu'ils ont bombardé la centrale. Je vous assure que je ne suis pas fière non plus. Enfin, on sait très bien ce que ça peut faire, une centrale nucléaire qui explose. Donc, j'étais comme eux. On a vécu des petits moments de solitude cette nuit-là, quand même. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, après, on se rend compte que les réacteurs ne sont pas touchés, etc. Donc, voilà. Mais je comprends que les gens aient décidé de fuir à ce moment-là. Et sur le nucléaire, ils t'en parlent, les personnes que tu... Elles t'en parlent, les personnes que tu rencontres? Elles disent toutes, vous vous rendez compte? Combien cet homme est fou, qu'il n'y a pas d'autre choix que de partir. C'est ça que disaient les gens. Et ils ont raison. Bon, alors, il n'a pas touché... On ne connaît pas le fin mond de l'histoire, pourquoi c'est tombé... je crois qu'il n'y avait pas véritablement la volonté de faire une catastrophe nucléaire, parce que sinon, elle aurait eu lieu. Mais enfin, il prend des très, très gros risques, quoi. C'est cette volonté de faire peur aussi. C'est effrayer à l'Occident, où on sait que cette fibre-là est très sensible. C'est ça, c'est la terreur. Et c'est la même chose lorsqu'ils bombardent des écoles, des maternités, etc. C'est terroriser les gens, les faire fuir les civils. Et ceux qui resteront seront considérés comme des combattants. Donc, on bombardera... toutes les villes, une fois que les civils qui auront eu le temps de partir seront partis. Et c'est cette raison-là pour une volonté de casser la résistance, à ton sens? Oui, casser la résistance, casser le moral des Ukrainiens, les faire fuir en masse, ce qui marche, ça marche très bien. 3 millions de personnes.
Comment toi, est-ce que tu travailles sur le terrain? Comment le matin, tu te dis, on va aller vers telle ou telle ville ou région? Comment est-ce que tu disais, on sent parfois les choses, mais ben, quand tu te lèves le matin, tu te dis, où est-ce que, comment est-ce que je peux relater au mieux la situation en Ukraine et comment, où est-ce qu'on va aller? Comment on décide? Alors, on travaille beaucoup avec notre fixeur, qui regarde des réseaux sociaux, qui regarde la presse, on écoute un peu la télévision locale. Et on discute avec Paris aussi, avec nos chefs à Paris, qui, eux, ont une vision un petit peu plus globale. Et tous les matins, on décide de l'endroit où on va. On fait une petite mini-conférence entre nous, là. On essaie d'aller là où on pense que quelque chose va se passer. Parfois, on réussit, on est au bon endroit au bon moment. Parfois, on se dit, ah non, zut, c'était pas là qu'il fallait être. C'est pas une science exacte. C'est un petit peu la chose la plus difficile, ça. On va où aujourd'hui, quoi? Oui, pour ne pas rater, mais en même temps pour ne pas prendre de risques trop importants. Oui, c'est ça. Y a Brigitte Teffa, alors il y a énormément de questions pour savoir comment on travaille sur place. Est-ce comment tu te protèges sur place? Est-ce que, par exemple, tu as un garde du corps ou comment tu te protèges? Comment tu travailles? Non, nous, on n'a pas de garde du corps. On a des gilets pare-balles, des casques que l'on met beaucoup. Y a des conflits sur lesquels on les met moins. Là on l'a beaucoup porté. Parce qu'on sent le risque oui, présent. Parce qu'on, il y avait des bombardements quand même très souvent, donc le souffle d'un bombardement, ça peut vous atteindre, etc. Donc il faut vraiment porter les gilets. Voilà, et puis votre question, c'était comment on se protège, oui. C'est ça? Ou comment on sent le risque aussi? C'est une question un peu d'expérience, de feeling, de discussion avec l'équipe. Est-ce qu'on avance un peu? Est-ce qu'on recule? Ce qui est sûr, c'est que quand on a des tirs, par exemple, on ne reste pas, on s'en va. Quand les bombardements deviennent un peu trop intenses, on va tous se mettre aux abris, on court éventuellement, on a beaucoup couru. C'est un peu du réflexe de survie, quoi. Et l'expérience aussi. Et un peu d'expérience aussi, ouais. Il y a beaucoup de questions sur les fixeurs. À quoi ça sert et comment est-ce qu'on les trouve? Je pense notamment aux questions de Adirondack et de Verveine. Alors, les fixeurs, c'est très compliqué, hein, parce qu'avoir un très bon fixeur, c'est très important. C'est un compagnon de route. Et qui ne va pas aider. Alors, c'était très difficile pour les fixeurs là, parce que ils avaient eux-mêmes souvent leur famille dans le désarroi. Nous, notre fixeur, la région dont vient sa famille a été prise par les Russes. Donc, il était beaucoup au téléphone avec sa famille qui était terrorisée, etc. Et en même temps, il devait gérer notre travail à nous. Je pense que ça le faisait tenir aussi de travailler avec nous. Mais c'est très compliqué pour les fixeurs parce qu'eux sont du coin, sont du pays. Et donc, ils ont à la fois la peine, toute la peine qu'on peut avoir quand on voit son pays détruit par une autre puissance, et à la fois gérer le désarroi de leur propre famille. C'est difficile, c'est un métier difficile, et on leur doit beaucoup. Sans eux, on n'est rien. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de questions. Comment est-ce que l'on fait quand tu vis, par exemple, des situations dramatiques? On voit des images qui sont terribles. Et puis, quand on est sur le terrain, évidemment, on est au plus près. Comment on fait pour gérer l'émotion, pour pas que ça ne prenne le pas sur l'information? Alors, ou est-ce que ce sont deux choses qui vont ensemble? Je crois que quand on travaille, on est un peu concentré sur le reportage que l'on doit faire. Et donc, Je pense qu'on se laisse pas aller à trop d'émotions. Enfin, moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Ça m'arrive le soir de repenser à des moments et à me dire « ça, c'était terrible ». Mais au moment où je travaille, j'essaie d'être concentrée sur mon travail parce qu'il faut, de toute façon. C'est ça, le métier. Rapporter des faits, etc. On ne s'intéresse pas à nos états d'âme, à nous. Ce qui importe, ce sont les civils, ce qu'ils vivent, les militaires, comment ils luttent, etc. Voilà. Il y a une dernière question, parce qu'il y en a énormément, mais je sais qu'on doit te libérer, parce qu'il y a un 20h qui arrive très vite. Oui, c'est ça, je suis vraiment désolée. Mais une toute dernière question, comment est-ce que l'on fait pour naviguer entre propagande russe et propagande ukrainienne? C'était plus facile pour nous, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis reporter, donc
je vais dans des endroits. Donc sur le terrain, il y a ce que je vois, je le crois. Mmh. Donc, c'est plus, moi, je vais à Zaporizhzhia, devant la centrale, je vois ce qui s'y passe, je rapporte ce qui s'y passe. Je ne prends pas mes sources sur les réseaux sociaux ou sur la propagande russe ou sur la propagande ukrainienne. Donc, c'est moins difficile pour nous qu'ici à Paris, où parfois on rassemble des images pour faire un sujet. Et là, on est pris entre deux propagandes qui s'affrontent. Moins, je trouve, quand on est reporter, c'est quand même plus facile. C'est ça le sel du métier. C'est pour ça que c'est important d'y être. Ça, pour le coup, c'est nous qui le voyons. Et j'ai confiance en ce que je vois j'ai confiance en ce que je vais dire parce que je l'ai vu. Ce sont des faits avérés, vérifiés. Et c'est pour ça que c'est sacré, entre guillemets, qu'on puisse continuer à aller sur ces terrains-là. Merci beaucoup, Maryse, d'avoir pris du temps. On sait que tes journées sont bien remplies. Il y a un 20h, je crois que tu dois y aller. C'est juste un sujet à faire pour le journal de 20h sur cette femme extraordinaire russe qui a brandi sa pancarte derrière la présentatrice. C'est tellement... Un geste de courage. Ah oui, oui. Donc, on va faire un sujet là-dessus ce soir. Et là, par exemple, je n'y suis pas. Je vais utiliser des sources russes, des sources ukrainiennes pour faire ça. Bon, là, l'histoire est assez claire, donc ce n'est pas très compliqué. Merci beaucoup, Maryse. Mais de rien, à avec très plaisir. Vite. Et merci de nous avoir partagé aussi ta passion et la nécessité d'être sur le terrain. Oui. Un très grand merci. C'est vrai que c'est nécessaire. Merci à vous. Merci, Maryse. Au revoir. On va désormais rejoindre Anaïs Anquet. Alors, je crois qu'Anaïs est au téléphone. Est-ce que tu nous entends, Anaïs ? Oui. Bonjour, Anaïs. Bonjour à tous. On t'entend bien, donc on est content. On avait quelques craintes de ne pas t'avoir au téléphone. Tu te trouves à Lviv, qui est à l'ouest du pays. On va voir une carte, je crois, sur le live. Ça va nous permettre de te localiser. C'est une ville qui, normalement, compte près de 700 000 habitants. C'est l'équivalent d'une ville, finalement, comme Marseille. On voulait être avec toi car la guerre, elle gagne aussi désormais l'ouest du pays et la région de Lviv. Des bombardements ont déjà fait 35 morts dimanche sur une base militaire proche de la Pologne, donc un pays de l'Union européenne et membre de l'OTAN, près de Lviv. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Lviv? Est-ce que tu peux nous décrire la situation sur le front? Le meilleur exemple, c'est l'endroit où je me trouve. Là, j'avais peur de ne pas pouvoir vous appeler parce qu'en fait, pour la deuxième fois de la journée, les sirènes d'alerte viennent de retentir. En fait, là, je vous parle depuis un shelter, c'est-à-dire un abri, une pièce qui a été mise en place par l'endroit où je dors, l'hôtel où je dors, pour que les habitants viennent se réfugier lorsqu'il y a des sirènes qui retentissent dans la ville. Et ça fait déjà deux fois aujourd'hui. C'est pour que vous compreniez le quotidien des gens à Lviv, même s'il n'y a pas de combat, tous les jours, même plusieurs fois par jour désormais, il y a les sirènes et on est obligé d'aller se réfugier. Donc, ça fait forcément monter la tension dans la région. Par exemple, tout à l'heure, on était en train de tourner un tuyau dans un hôpital pour enfants qui accueille des enfants réfugiés malades. Et à midi encore, pendant deux heures, on a dû aller se mettre dans des caves qui ont été aménagées par les médecins avec ce qu'ils pouvaient comme moyen. On a été obligé d'aller se cacher. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des bombardements, mais ça veut dire qu'il y a une menace. Et depuis qu'on est là, en fait, ça n'arrête pas. Il y a pratiquement des alertes toutes les nuits et tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que Lviv était une ville jusque-là relativement épargnée? Et quel est le changement? Qu'est-ce qui a changé depuis ces derniers jours? Bien, jusqu'ici, il y avait quelques sirènes d'alerte, mais c'était assez peu fréquent. Là, récemment, depuis que moi je suis arrivée, c'était jeudi dernier, c'est vraiment toutes les nuits. Et des alertes qui sont beaucoup plus longues. Moi, j'ai parlé avec des Ukrainiens de la ville qui m'ont dit que jusqu'ici, quand il y avait une sirène d'alerte qui sonnait, ça durait 20 minutes, une demi-heure. Ce week-end, on a eu une alerte qui a duré pendant 4 heures. Et c'est le jour-là, en fait, qu'on a appris que la base militaire, vous le disiez, située à peu près 20 km de la frontière polonaise, avait été bombardée par les troupes russes. Et ça inquiète énormément la population parce qu'ici, ils pensaient vraiment que c'était une zone protégée. Ils connaissaient cette base, les habitants. Et ils pensaient que c'était beaucoup trop proche de la Pologne pour être touchée. Et c'est pourquoi, quand je parle un petit peu dans la rue, il y a des gens qui commencent à réfléchir à partir. Pourtant, c'est une zone refuge ici. Moi, j'ai ma fixeuse, vous parliez des fixeurs tout à l'heure, pendant le tournage, lorsqu'on a été près de la base bombardée, elle a appris par message que sa mère avait décidé de fuir vers la Pologne et elle n'a même pas eu le temps en fait, de lui dire au revoir. Quand il y a une sirène, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Tout le monde cherche un abri. Alors, quand on est dans un endroit comme où je suis aujourd'hui, donc un hôtel ou un hôpital, on va
souvent c'est des caves ou des pièces qui sont aux étages inférieurs. Quand c'est dans la rue, eh bien, il faut se dépêcher de rentrer chez soi. Les gens se dépêchent, courent et vont aller se mettre à l'abri tout de suite. Et ils ont aussi une sirène qui sonne sur le téléphone pour être sûr de ne pas rater la sirène. D'accord, donc les gens sont aussi prévenus sur leur téléphone portable qu'il y a une alerte. C'est ça. Oui, ils ont une application. Il y a près de 200 000 réfugiés aujourd'hui à Lviv. Est-ce que tu vois ces Ukrainiens venir, et venir notamment de l'est du pays ? Qui sont ces réfugiés qui sont en stand-by quelque part à Lviv ? Alors moi, je les ai rencontrés juste beaucoup. J'en ai rencontré hier, parce que je suis allée faire un reportage à la gare de Lviv. C'est vraiment l'endroit où tous les réfugiés affluent de l'est pour prendre soit des trains, soit des bus vers la Pologne et après partir, pourquoi pas, vers l'Allemagne. Alors, il y a énormément de gens qui viennent de Kiev et des alentours, qu'on fuit parce qu'il y a eu des bombardements. Alors, certains ont fui avant de les vivre, d'autres ont perdu leur maison. On a aussi beaucoup de gens qui viennent de Dnipro. C'est une ville qui est à l'est du pays et qui a été épargnée au début et qui est désormais bombardée. Je crois qu'elle a encore été bombardée, si je ne me trompe pas, aujourd'hui et hier. Il y a beaucoup de familles, alors il y a peu d'hommes. Énormément des femmes et des enfants, parce que souvent les hommes sont restés sur place. Et quand il y a des hommes, c'est des hommes très jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, et des personnes plutôt fatiguées ou quand ils sont plus âgés, des hommes malades. Par exemple, quand on a été tourné dans un théâtre ici, il y a tellement de réfugiés que même les lieux de culture, en fait, pour vous faire comprendre, sont transformés en lieux de refuge. Il y a les plus grands théâtres de la ville désormais qui font dormir des réfugiés dans les coulisses, sur la scène. Donc j'avais croisé un couple dans ce théâtre, et le mari a un cancer, c'est pour ça qu'il a fui. Et il s'excusait presque de répondre à mes questions en m'expliquant « c'est pour ça que je ne vais pas me battre et que je vais vers la Pologne ». Et là, en fait, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de réfugiés qui souhaitaient rester au départ à Lviv. Ils ne partaient pas tous vers la Pologne, il y a à peu près la moitié qui restait. Et avec ce qui est en train de se passer en ce moment, et bien hier à la gare, beaucoup me disaient qu'en fait, ils ne voulaient même plus rester ici parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, certains qui pensaient rester, en fait, vont eux aussi partir vers la Pologne. On a beaucoup de questions, Anaïs, toi qui es à Lviv, donc dans l'ouest du pays, pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est le cas de toutes les grandes villes ? Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont toutes concernées par des alertes ou est-ce qu'il y a encore des lieux où c'est plus calme, entre guillemets ? Bon, maintenant, les principales villes du pays sont malgré tout concernées parce que tout à l'heure, je n'étais pas à Lviv pour mon portage sur un hôpital. C'était une ville située à un peu plus d'une heure d'ici et on a encore eu une sirène d'alerte, donc j'ai des endroits que je connais en tout cas et des retours que j'ai. La plupart des villes importantes vivent souvent ce type d'alerte. Il y a une question également de The Good. Comment est-ce qu'on se rend aujourd'hui en Ukraine quand on est reporter? Alors on a pris un avion nous jusqu'à Varsovie en Pologne. Le lendemain, on a trouvé un chauffeur qui nous a amené jusqu'à la frontière polonaise. Il y a plusieurs points de passage. Une fois qu'on arrive à la frontière, notre chauffeur est obligé de nous laisser. Donc, on a traversé avec tout le matériel à deux avec mon caméraman. On est passé par la douane. On a montré juste notre passeport et notre carte de presse. Parfois, ils posent quelques questions sur ce qu'on va faire. Et on a pu passer assez facilement. C'est beaucoup plus rapide, j'avoue, que dans l'autre sens. C'est beaucoup plus rapide d'aller vers l'Ukraine que de quitter l'Ukraine. Et ensuite, on a eu un Ukrainien qui est venu nous chercher, qui nous a amenés jusqu'à Lviv. Et là, c'est un trajet particulier car on est donc proche de la frontière polonaise. Il n'y a pas de soldats russes aux alentours. Et pourtant, on a croisé des dizaines de checkpoints, de barrages avec des sacs de sable qui ont été construits par les habitants eux-mêmes. Hein. Pas forcément par des militaires, c'est des civils qui, en cas d'attaque, ont déjà préparé des checkpoints. Et on s'est fait arrêter à un checkpoint pour vérifier qui on était avant d'arriver à Lviv. Il y a énormément de questions. Merci à tous ceux qui les posent dans le chat. Et n'hésitez pas à poursuivre d'ailleurs. Il y a une autre question de Grou. Grou, comment est-ce que l'on décide ou est-ce que l'on va faire un reportage? On a posé aussi la question à Maryse tout à l'heure. Comment est-ce que l'on décide le matin ou au cours de la journée que l'on va aller dans telle direction, dans telle ville, dans telle région et pas une autre? Alors moi, mais pour la ville de Lviv, en tout cas, c'était une demande de ma rédaction qui avait besoin de quelqu'un dans ce secteur de l'Ukraine. Après, pour les reportages que je fais dans le secteur, en fait, je discute beaucoup avec ma fixeuse. C'est une jeune fille qui a 30 ans, qui vient de la région, qui est très impliquée dans le milieu culturel local. Et en fait, moi, je lui parlais un petit peu de ce que j'avais entendu
et on compare ensemble et de dire bah, moi, je connais par exemple un hôpital près de chez moi dans ma ville natale qui accueille des dizaines de réfugiés, si tu veux, on y va et c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je dis bah, j'aimerais bien voir des lieux de culture qui sont transformés en accueil de réfugiés. Elle me dit bah, tiens, je connais un théâtre. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est en discutant vraiment avec les gens qui sont sur place pour décrire la réalité de la situation. Alors Anaïs, le maire de Lviv était hier soir l'invité d'Anne-Sophie Lapix, c'est du 20h, qui était en direct de la ville, et il affirmait, le maire, que cette guerre va durer, mais qu'on va la gagner, et elle va changer l'ordre mondial. Est-ce que c'est aussi le sentiment de la population que tu rencontres sur place, ou est-ce qu'il y a d'autres sentiments, des sentiments de fatigue, des sentiments de crainte comment est-ce que tu reçois les témoignages que tu peux recueillir sur place? Eh ben, pour tout vous dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit le maire de Lviv. C'est même quand, par exemple, j'ai posé, quand ça fait la cinquième fois en deux jours qu'il y a des alertes et qu'on va dans l'abri, je vais voir les gens autour de moi et je leur dis ça va, vous n'êtes pas trop fatigués. Ils me disent si, on est fatigués, je dis mais vous avez peur. Et la plupart des gens me disent oui, on a peur, mais en même temps, on va gagner. Vraiment, tous les gens que je rencontre, que ce soit à l'hôpital aujourd'hui ou quand j'ai tourné auprès des réfugiés à la gare, et aujourd'hui, j'ai aussi été rencontrer des jeunes civils qui ont créé des checkpoints. Tous me disent, on va gagner, on est solide, la Russie a voulu nous abattre, et bien cette guerre, elle va nous unir. C'est vraiment quel que soit l'âge. Il y a même des gens qui sur les checkpoints, les gens qui disent bonjour, ils disent gloire à l'Ukraine, on va gagner. C'est le nouveau bonjour. Et vraiment, quel que soit l'âge des gens que je rencontre. Moi, ma fixeuse, qui a 30 ans, elle est persuadée qu'ils vont s'en sortir. Quand je lui dis « je reviendrai un jour », elle me dit « tu reviendras quand on aura gagné ». Oui, voilà, parce que les personnes qui partent, qui sont à la gare de Lviv, qui arrivent ou qui repartent, est-ce qu'ils ont avec eux cette volonté de revenir quand la guerre sera terminée ou de changer de vie? Qu'est-ce qu'ils te disent, eux? Alors, certains arrivent à en parler et veulent revenir. D'autres sont beaucoup trop sous le choc pour aborder la question. Beaucoup sont très perdus quand on leur parle. Donc, moi, j'ai rencontré tout à l'heure une dame qui m'expliquait que dans sa maison, il y avait des Russes en ce moment qui occupaient sa maison. Donc, difficile pour elle de se projeter et d'imaginer de revenir un jour parce que ça prendra des années avant de reconstruire les immeubles. Donc, ça dépend des cas, des personnes qu'on rencontre. Tu disais, Lviv, c'est une ville d'art et d'histoire, puisqu'effectivement, il y a 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Ukraine, dont le centre historique de Lviv. Est-ce qu'il y a des initiatives pour protéger les monuments? Tu nous parlais d'un certain nombre de sites. Comment ça se passe? Alors oui, moi, j'étais pas encore arrivée, mais juste avant que j'arrive, nos collègues ont vu les musées bien emballer toutes les œuvres, les protéger pour les mettre dans les caves, pour les envoyer vers d'autres pays. Et ce qui est impressionnant quand on se trimballe, quand on marche dans la ville, c'est que la plupart des statues, en fait, ont été emballées avec les moyens du bord, de la fibre de verre, du plastique. Les vitraux ont été recouverts par des grandes banderoles, des grandes bandes de fer. Et ça, c'est un peu partout qu'on voit ça. Il y a aussi des monuments assez beaux où les fenêtres ont été protégées avec des sacs de sable. C'est vraiment, la population ne sait pas si ça va suffire, mais ils font tout en tout cas pour éviter, en cas, hélas, de bombardement, et bien que leur patrimoine soit abîmé. C'est vraiment une volonté des gens qui vivent ici. Il y a Cosmos qui se soucie de toi, Anaïs, puisqu'il demande comment est-ce que l'on mange, comment est-ce que l'on dort quand on est reporter et que l'on doit faire un certain nombre de directs. D'ailleurs, il faut qu'on dise qu'on t'a pris en duplex là à cette heure-ci, parce que je crois qu'après, tu as un créneau pour aller manger et pas autrement, c'est ça? Oui, c'est ça. En ce moment, il y a couvre-feu dans la ville où on est, à Lviv, donc c'est 22h, mais les restaurants, pour pas prendre de risques suite à ce qu'on disait, quand il fait nuit, c'est toujours un peu plus dangereux. Pour pas prendre de risques, eh bien, tous les restaurants et les commerces ferment à 20h ici. Et en plus, je vous parle assez tôt parce que là, je vais manger. Et après, j'ai un duplex pour France 3 de 19h20. Donc oui, on enchaîne, mais c'est rien. C'est notre travail. On est là. En fait, on est porté par ce qu'on est en train de vivre. Et en plus, moi, j'ai quand même de la chance, entre guillemets. Je suis à Lviv, je suis pas à Kiev où il n'y a pas de bombardement dans la ville où je suis. Les bombardements le plus proche qui ont eu lieu, c'était à 50 km d'où je me trouve. Donc j'ai quand même relativement de la chance. Il n'y a pas de pénurie pour l'instant à Lviv de nourriture. Il y a tout ce qu'il faut. Donc je suis plutôt... on n'est pas les plus à plaindre ici.
Eh bien, merci beaucoup, Anaïs Sanquet, depuis Liv, d'avoir pris du temps dans ta journée, que l'on sait également très complète, pour bien nous expliquer, nous éclairer sur la situation en Ukraine. Merci infiniment, Anaïs. Merci, merci à vous. Et à très bientôt. Et donc, du coup, on va voir aujourd'hui tes reportages dans le 19-20 sur France 3 et également sur France Info, France Info Canal 27. Merci beaucoup, Anaïs. Et énormément merci, bonne soirée à tous. Également de messages, d'encouragement. Donc, je te les transmets. Ben merci, c'est gentil. À bientôt, Anaïs. À bientôt. Et Raphaël Godet nous a rejoint pendant le duplex d'Anaïs Sanquet. Bonjour Raphaël. Bonjour Cédric. Toi, tu reviens de Pologne. Oui. Alors là, on a parlé des réfugiés qui sont à Lviv, qui cherchent à fuir. Un certain nombre de ces réfugiés sont arrivés en Pologne. Quand toi, tu y étais, c'était quand et qui as-tu rencontré? Alors moi, j'étais en Pologne à J plus 5 du début de la guerre. Donc début mars. Début mars, exactement. J'ai rencontré notamment deux mères de famille. Elles s'appellent Ola et Oksana. On va voir leurs photos d'ailleurs, parce que tu nous les as partagées. Elles ont une trentaine d'années. Elles ont trois enfants. Ola en a un. Ola, donc, c'est celle du milieu. C'est Alexander, son enfant, l'enfant qu'elle tient sur ses genoux. Et donc Oksana, c'est la maman qui est à droite, la blonde. Et les deux autres enfants donc, sont les siens. Ils ont entre 1 et 5 ans. Et ces deux mamans, elles viennent d'où? Elles viennent de l'est de l'Ukraine. Et elles sont arrivées, pareil, à 72 heures après le début des bombardements russes. Et là, elles sont dans une maison à l'ouest de Varsovie, région qu'elle ne connaissait pas jusqu'au début de la guerre. Elle n'aurait certainement jamais mis les pieds dans cette maison s'il n'y avait pas eu ce conflit. Elles sont arrivées sans rien, non, mais quasiment sans rien. Elles sont arrivées sans poussette pour le petit. Elles sont arrivées sans les jouets pour les deux autres. Et puis, une sorte de solidarité qui s'est mise en place. Elles ont récupéré des poussettes, elles ont récupéré des jouets pour les enfants. Par exemple, j'ai reçu encore hier des photos d'Alexander qui n'arrive pas à lâcher son camion de pompiers en plastique qu'un voisin lui a gentiment donné ou prêté, peu importe. Voilà, je ne dirais pas que tous les cinq vont bien. En tout cas, ils tentent de réapprendre de manière un peu différente à 800 km de leur vraie vie en Ukraine. Toi, tu es journaliste à franceinfo.fr, tu as signé un certain nombre d'articles. Tu expliques d'où est-ce qu'elles viennent, ces personnes-là. Comment est-ce qu'elles sont prises en charge quand elles arrivent à la frontière? C'était au début du conflit, en plus. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus l'accueil des réfugiés se fait de manière précise. Là, c'était, elles sont arrivées dans le flot des premiers réfugiés. Elles ne connaissaient rien à la Pologne, même si les deux pays se touchent. Elles sont arrivées à la frontière, des volontaires leur ont proposé plusieurs choix. Est-ce que vous voulez rester près de la frontière ukrainienne? C'était une option qui était envisageable, en se disant, si le conflit dure seulement quelques jours, il y aura possibilité de revenir plus rapidement dans notre pays. Finalement, elles ont choisi par commodité d'aller jusqu'à la capitale, Varsovie. À Varsovie, il y a des assos qui prennent le relais et qui donc leur ont trouvé cette maison à 20 km de la capitale polonaise. Les chiffres sont terrifiants. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 3 millions d'Ukrainiens en exil, qu'à chaque seconde, désormais, un enfant en Ukraine devient un réfugié. Ce sont des affirmations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces personnes, est-ce qu'elles ne peuvent pas être toutes en Pologne, évidemment, parce que c'est un afflux qui pourrait être important. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, autour, voisins, ont aussi font des actes comme ça de solidarité, comme tu as pu en voir? Tous les pays frontaliers avec l'Ukraine sont confrontés à cette question. La Moldavie, il y a la Slovaquie, il y a la République tchèque, il y a la Croatie. On a une carte, d'ailleurs, si on peut la montrer, ça nous permettra de voir, justement, ouais, autour. Et puis, par ricochet, eh bien, les pays en second rideau, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense évidemment à la France, qui,
qui accueille depuis quelques jours maintenant des réfugiés ukrainiens, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'elles te disent, par exemple, Oksana et Ola? Est-ce qu'elles ont envie de rester en Pologne, de se fixer, de passer à autre chose? Ou est-ce qu'évidemment, il y a forcément des liens avec l'Ukraine, de la famille, des maris qui combattent aussi? Déjà, c'est marrant parce que j'écoutais ce que disait Anaïs, et c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'inquiète. J'ai l'impression parfois de m'inquiéter plus pour elle, je pense à Ola et Oksana, qu'elle ne s'inquiète elle-même pour elle. C'est-à-dire que on s'écrit encore régulièrement et souvent elle me demande moi comment je vais, qui suis rentré à Paris dans mon confort français, à l'abri et en sécurité. Bien sûr. Et c'est vachement déroutant parce qu'une personne qui a fui son pays et son quotidien à la va-vite parce qu'il y a une guerre qui a éclaté. Cette personne-là qui vous demande comment ça va, c'est quoi la météo à Paris en ce moment, c'est déstabilisant. Toutes les deux, Oksana, donc, on la voit encore à l'écran, c'est la maman de droite. Elle sait, elle pense qu'elle reviendra un jour en Ukraine. Quand, elle ne sait pas. Est-ce que ce sera à la fin du mois de mars? Est-ce que ce sera à la fin de l'été? Est-ce que ce sera en mars 2023? Elle ne sait pas. En tout cas... Elle a accepté le fait qu'elle allait devoir rester là quelques jours, quelques semaines ou quelques mois encore. Quand je dis là, c'est en Pologne. Quand je l'ai vue, on commençait à en parler. Elle va se mettre à trouver un travail, tout simplement. Et elle m'a dit ça. Je l'ai vue, moi, à J+5, après le début de la guerre. Elle m'a dit, écoute, Raphaël, je vais... me rapprocher de structures ici en Pologne et pourquoi pas... Je pourrais, par exemple, faire le ménage chez des gens ou faire le jardinage. Oksana, qu'on voit à droite, dans la vraie vie, dans sa vie d'avant, en Ukraine, elle est gérante d'une bijouterie. Elle n'est femme de ménage, agent d'entretien dans un jardin. C'est un changement de vie radical, mais elle est prête à ça. Et puis, et tu en parlais... Et pendant ce temps, les maris, eux, sont au combat. Parce qu'ils sont mobilisés. Ils vont bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Je leur ai écrit ce midi pour vous donner des nouvelles fraîches. Ils vont bien. Ils sont toujours quelque part en Ukraine. L'un est à Kiev, le mari d'Ola. Et l'autre, le mari d'Oksana, lui, est plutôt du côté de l'ouest de l'Ukraine, à Lviv. Ils vont bien. Et ils s'appellent régulièrement. Le matin, le midi, le soir, parfois plusieurs fois par jour. Quand j'y étais... donc on était installés dans ce salon, dans cette maison en Pologne, le téléphone d'Oksana sonne. C'est un appel sur Messenger et c'est son mari qui l'appelle. Elle décroche, elle me montre la vidéo et on voit son mari en treillis militaire avec une arme en bandoulière et il est avec ses camarades. Quelqu'un qui n'était pas combattant avant. Pas du tout. Pas du tout. Il est barman, le mari d'Oksana. Mais il a pris les armes dans les fameuses brigades territoriales. On en a souvent parlé. Et là, lorsqu'il appelait, on le voyait avec son téléphone. Il montrait un peu le paysage et on le voyait patrouiller dans la ville. Ça, c'est la violence de la guerre dans un écran de smartphone. Ça dure le temps que ça doit durer. Et puis, à un moment donné, le père de famille redevient père de famille, si je puis dire. Et il demande des nouvelles des enfants. Et comment ça va, les enfants? Question qu'on a tous entendue des centaines de fois. Question très, très basique, très banale. Sauf que là, c'est un père de famille qui est désormais militaire, qui défend son pays et qui demande des nouvelles des enfants. Et comment ils vivent? On a vu leur photo tout à l'heure, mais ces enfants, comment est-ce qu'ils vivent ces chamboulements? Comment est-ce qu'ils vivent la guerre? Comment est-ce qu'ils vivent aussi avec des souvenirs de sons, d'images qu'ils ont emmenées avec eux d'Ukraine? Oui, il y a déjà une règle que se sont fixées Ola et Oksana, c'est qu'elles ne regardent, elles font, disons qu'elles vérifient que les enfants soient assez loin pour parler de la guerre entre elles ou mettre, allumer la télé ou la radio. Ça, c'est vraiment quelque chose, et je l'ai vérifié, dont elles font attention. C'est une protection, c'est pour les protéger, elles, et surtout les enfants. Et les enfants, moi, quand je les ai vus, ils ressemblent à des enfants
très classique. Hein. Ils sont en train de regarder des dessins animés allongés sur une couverture dans le salon. Ils s'amusent avec des jouets. Or, certes, ce ne sont pas leurs jouets. Ce sont des jouets que des voisins, comme je vous disais, leur ont donnés. Mais ils s'amusent avec voilà, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont. Ils ouvrent des bouquins en polonais alors que ces enfants parlent ukrainien. Ouais. Ils s'adaptent. Et c'est Ola qui me disait, là, il n'y a pas longtemps, que il y a l'école, mine de rien. Alors, pas pour le petit Alexander, il a un an et demi, mais pour les deux autres, il y a l'école. Eh bien, c'est les mamans qui, pour l'instant, font maîtresse d'école à la maison. Il y a une question de Essiram. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous répondre, parce que toi, tu es revenu désormais de Pologne. Mais est-ce que l'aide humanitaire et les dons, est-ce qu'on sait s'ils arrivent à destination, s'ils peuvent arriver à destination? Alors, ils arrivent à destination, puisque j'en ai été témoin à Varsovie, l'association qui m'a mise finalement en relation, qui m'a mis en relation avec cette famille, récolte des produits de première nécessité. Je pense à des couches pour les bébés, à des jouets, à de la nourriture. Et justement, lorsque je les ai rencontrés, cet asso venait de collecter tout un tas de cartons, de colis venant des quatre coins de la capitale polonaise. Et ça allait directement dans les familles qui en avaient le besoin. Donc, encore une fois, donc plus arrive. Les jours passent, oui, plus ça va se mettre en route de manière efficace. Ça s'organise. Et il y a une question donc, qui rejoint aussi comment est-ce que tu travailles, de Brigitte Teffa. Comment est-ce que tu travailles? Parce que est-ce que tu parles l'ukrainien, par exemple? Et comment est-ce que tu... Non, je ne parle pas l'ukrainien. C'est une bonne question. J'aimerais parler l'ukrainien, par exemple. Mais non, je ne parle pas l'ukrainien. J'avais aussi une fixeuse qui parle anglais et ukrainien, qui me permettait donc de faire la traduction. Et c'est Maryse qui en parlait, et j'étais d'accord avec elle. Ma fixeuse, elle, est ukrainienne. Elle vient de Kharkiv. Ses parents, qui ont 80 ans, sont toujours à Kharkiv, sont toujours sous les bombes, sont toujours cachés quelque part dans le sous-sol de leur maison. Ils se déplacent difficilement. Et là aussi, c'est déroutant. C'est-à-dire que cette personne, la fixeuse, qui est censée te faciliter ton travail de traduction et pas que, chaque histoire qu'on lui rapporte, c'est aussi un peu son histoire. Je me souviens, par exemple, à la frontière polonaise, à Medica, poste frontière de Medica, je sens un moment de tension entre ma fixeuse et une mère de famille qui vient d'arriver. Elle se parle en ukrainien, donc autant vous dire que je ne comprends pas ce qu'elles se disent. Et les deux se mettent à pleurer, et ce que je comprends, c'est que les deux avaient une connexion. Elles venaient de la même région. Et là, voilà, c'est compliqué de... C'est compliqué de dire à sa fixeuse, tu es là pour travailler pour moi, et c'est tout. Pas du tout, il faut laisser faire la vie, entre guillemets. Et finalement, la mère de famille, pourquoi elle était en pleurs? C'est parce qu'elle venait d'arriver après 60 heures de périple avec ses deux enfants, une poussette, une grosse valise, et elle avait besoin de soutien. Et ce premier soutien ukrainien, ce premier visage familier, entre guillemets, c'était ma fixeuse. Alors, Raphaël, toi, tu es journaliste à franceinfo.fr, tu as aussi signé beaucoup d'articles sur les états baltes, on va en parler parce que c'est aussi très intéressant. J'avais toutefois une question de Coco Limp. Est-ce que les personnes qui sont réfugiées, quand elles pensent à l'après, et si, qui pourrait remplacer un jour peut-être le président actuel, si c'est un pantin, dit notre viewer de Poutine, est-ce que c'est une éventualité du coup de revenir, ou est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce qu'elles en parlent? Très franchement. De politique? Ou en est-ce tout que, cas, les Ukrainiens le que j'ai rencontrés n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de politique. Là, ce qu'ils veulent, c'est que la paix revienne. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur famille et leur vie d'avant, ou un semblant de vie d'avant, et c'est tout. La politique, ils verront ça plus tard. Alors, tu as aussi été en Lettonie. Donc, la Lettonie, c'est dans les Pays-Baltes. On a aussi une carte, donc on va pouvoir voir la proximité, évidemment, de la Lettonie avec l'Ukraine, mais évidemment avec la Russie. Les habitants de Pays-Baltes, comme donc la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, partagent des kilomètres de frontières avec le voisin russe. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? On le voit sur la carte.
la Lettonie partage 330 km de frontière avec le voisin russe. C'est un petit pays, il y a 1 900 000 habitants, ex-pays de l'URSS, donc il y a une histoire commune, malgré tout, avec la Russie, une longue histoire commune. En Lettonie, sur les 1 900 000 habitants, il y a un tiers de russophones. Alors, pourquoi ils ont peur ? Et c'est pas nouveau, d'ailleurs. Et c'est pas nouveau. Les autorités que je rencontrais, notamment le conseiller spécial à la sécurité nationale de Lettonie, du président letton, lui me dit « Aucun risque. Jamais Poutine n'osera venir nous attaquer. » Parce qu'ils sont membres de l'Union européenne. Parce qu'ils sont membres de l'UE. Et ils sont membres de l'OTAN, donc, depuis 2004. Et il y a une... Dans la charte de l'OTAN, il y a l'article 5 qui, en deux mots, hein, je ne vais pas vous citer tout l'article, qui dit que si un État membre est attaqué, les autres doivent réagir. Ce qui veut dire que si Poutine décide d'attaquer la Lettonie, il y aura une réponse immédiate. Concrètement, à Riga, la capitale de la Lettonie, à 25 ou 30 km, il y a une base de l'OTAN. J'y suis allé, où il y a des centaines de militaires qui s'entraînent, qui se préparent. Je les ai croisés, ils sont espagnols, ils sont lettons, ils sont américains. Et donc tout ça fait dire aux autorités lettonnes qu'il n'y a pas de risque. Ça, c'est ce que disent les autorités. Après, il y a les gens de la rue qui, eux, ont un discours un peu différent. Notamment, je pense à une dame que j'ai rencontrée, pas très loin de l'ambassade de Russie d'ailleurs, à Riga, qui est le théâtre de manifestations quotidiennes. Et cette dame me disait, en fait, cet article 5 de l'OTAN, qui est censé nous défendre, il fonctionne si en face, celui qui nous veut du mal est à peu près censé. Elle parle évidemment de Poutine et elle dit, sauf que Poutine est un cerveau malade. Donc, on ne peut pas faire confiance à un cerveau malade. Donc cet article 5 ne tient pas. Ce n'est pas suffisant pour nous protéger. Ce n'est pas du tout un rempart. Concrètement, après, c'est la nature humaine. Il y a ceux qui ont juste peur, qui en parlent. Et puis il y a ceux qui ont déjà commencé, par exemple, à mettre de côté quelques affaires, à faire des courses un peu plus importantes que d'habitude. Il y a des communes en Lettonie, qui, notamment près de la frontière, qui ont commencé à faire l'état des lieux des abris anti-atomiques, exactement ce qu'a fait l'Ukraine il y a quelques jours avant que la guerre éclate. Je suis allé à Kharkiv en Ukraine fin janvier, et Kharkiv, on n'en était pas du tout là, on n'en était pas du tout à l'attaque russe. Kharkiv, quand j'y suis allé, la mairie était en train de recenser tous les abris anti-atomiques. Ces pays, ces trois pays, donc Lettonie, l'Estonie, Lituanie, ils vivent avec la menace russe depuis plusieurs années. Ouais. Ils n'ont pas attendu l'Ukraine pour parfois avoir un sentiment de crainte. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur nourrie depuis quelques années? Parfois, on a attribué des cyberattaques à la Russie, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu un avant et un après la Crimée en 2014, l'annexion de la Crimée. En fait, les Lettons que j'ai rencontrés ont l'impression, ont peur, craignent que Vladimir Poutine reprenne le même prétexte, entre guillemets, d'une minorité russophone discriminée, donc celle qui vit en Lettonie, pour attaquer le pays. Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Et encore une fois, c'est un petit pays face à la Russie. Et puis, ce que je veux vous dire, ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, mais certains me l'ont dit, et de fait, c'est intéressant puisqu'il m'a été répété. C'est un petit pays et il y a malgré tout le complexe du petit. Et certains se disent, très franchement, si la Russie se met à attaquer la Pologne, puis la Lettonie, nous, on est minuscules sur une carte européenne. Est-ce que vraiment nos amis de l'OTAN viendront nous défendre à la mesure nécessaire? Oui, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de dirigeants occidentaux qui sont venus en Lettonie pour apporter leur soutien, dire « nous serons là ». Ça, ce n'est pas de nature à rassurer vraiment, pas suffisamment. Ça fait bien dans les journaux le lendemain, quand on voit par exemple que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien,
ou Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, quand on les voit tous les deux serrer la main du président letton, du chef du gouvernement letton, et qu'on voit ces photos dans les journaux, ils sont venus là quand j'y étais. Mais bon, et c'est tout, quoi. Et c'est tout. En tout cas, les Lettons que j'ai rencontrés, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent, très franchement, ce qu'ils voudraient, c'est des dizaines de milliers de soldats en plus. Ouais. Ça leur ferait plaisir, entre guillemets. En tout cas, ça les rassurerait. Ouais. Il y a une question de Coquillette concernant cette charte de l'OTAN. Y a-t-il une obligation forcée où les gouvernements et États membres donc, de cette alliance peuvent décider indépendamment de se désolidariser? Bon. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'OTAN. En tout cas, la grande ligne de cet article 5, c'est... Riposte. Riposte. Un État membre de l'OTAN est attaqué, on riposte immédiatement. Il va falloir qu'on te libère, Raphaël, parce que toi aussi, tu as une soirée chargée. Je crois que tu finis à minuit. J'ai fini à minuit, oui. Je prends le... Juste après vous avoir salué, je prends le live de franceinfo.fr. Voilà. Jusqu'à minuit. Donc aujourd'hui, on aura eu les différentes facettes, finalement, des reporters de France Télévisions. Maryse Burgot, qui revient d'Ukraine. Anaïs, qui est sur place pour l'antenne de France Info. Et Raphaël, donc le site franceinfo.fr. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Ben merci, c'était d'avoir chouette. Répondu à toutes nos questions. On va mettre fin à ce live. Merci de nous avoir suivis également. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un live, vous êtes nombreux à nous poser plein de questions. Donc ça nous donne envie évidemment d'en refaire très rapidement. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce live. On pense évidemment à toutes les équipes de France Télévisions et je pense qu'on peut remettre le visuel où on voit tous nos reporters sur place en Ukraine, mais aussi à Moscou. Ils sont nombreux, il y a une trentaine de personnes qui sont sur place ou qui sont revenues. On voit là les reporters, les journalistes, les JRI également, mais il y a également les monteurs, les fixeurs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et finalement on leur rend hommage parce que c'est un métier difficile et parce qu'eux aussi restent, une fois que nous journalistes on revient, eux restent sur place. L'information elle continue évidemment sur France 2 puisqu'il y a le 20h et le sujet de Maryse Burgot que l'on vous a promis tout à l'heure. Anaïs Anquet qui est aussi dans le 19-20 de France 3, France Info, franceinfo.fr. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné pour préparer ce live. Évidemment, Carole Bellingard à la rédaction en chef. Caroline Delaveau, un grand merci encore et toujours. Nasser Boubaker et Canel Sabourin qui m'ont aidé à faire remonter vos questions parce qu'il y en a énormément. Ça serait impossible de toutes les lire en direct. Donc, c'est une mission précieuse. Merci également à Dimitri Arcanger, aux équipes de La Fabrique qui nous ont encore une fois installé ce beau studio et au Media Lab qui nous accueille. À très vite. Bonne soirée. Et évidemment, restez sur franceinfo.fr. Il y a Raphaël qui bosse ce soir. À bientôt. Bonne soirée. Thank you.